Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce sur Warzone 2 qui va vous permettre de bien commencer votre partie en mode Battle Royale. Donc je vais faire la technique en solo mais vous pouvez le faire à plusieurs bien entendu. Et vous allez voir que vous allez commencer la partie avec minimum 10 000 $, voire même plus, parce que je vais vous montrer un emplacement où il y a énormément d'argent. Ok, donc quand la partie commence, ce que vous allez faire, c'est d'aller à Almazra City. Donc juste ici, vous allez voir qu'il y a un bâtiment avec une architecture assez spéciale. On dirait qu'il y a deux bâtiments qui se superposent, donc deux rectangles comme ceci. Donc il faut aller dans ce bâtiment et vous allez voir qu'il y a énormément d'argent. Après, on va décaler dans les autres bâtiments en face parce que et il y a une pompe à essence aussi, parce que dans ces bâtiments-là, il y a aussi de l'argent à prendre. Mais principalement, il faut aller dans le bâtiment avec l'architecture assez spéciale. Donc c'est parti, j'y vais. Ok, donc là vous pouvez reconnaître le bâtiment, donc il est assez spécial, donc vous le reconnaîtrez assez facilement. Donc hop, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dedans. En plus là-dedans il y a beaucoup de loot, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a déjà deux armes d'entrée. Donc regardez, là il y a des caisses enregistreuses, parfois il y en a un peu plus hein. Là j'ai encore 800, j'ai un petit snipe. Ok, alors là vous visitez hein, tranquillement, faites attention qu'il n'y ait pas d'ennemis. Vous ouvrez les caisses pour obtenir encore plus d'argent. Regardez sur les sièges s'il n'y a pas de l'argent qui traîne. Si c'est possible. Ok, donc là, il y a des caisses enregistreuses. Vous les ouvrez. Là, on est déjà à 2 100 $. On est à 2008. Encore de l'argent ici. Ok, donc regardez ici, encore de l'argent. Voilà, il y a de l'argent sur le comptoir. Encore de l'argent, toujours de l'argent. Là, il y a encore masse d'argent. Tac, tac, tac. Donc là, on est déjà à 8 000 $. Regardez-moi ça. Là, on est à 9, presque 10 000 $. Voilà, on a dépassé les 10 000 $. On est à 13 000 $. C'est un truc de ouf. Donc là, on va aller... Ok, les mecs, ils sont à fond dedans, gros. Regardez, là, il y a encore de l'argent. Les mecs, ils sont dans la voiture et ils chantent en même temps. Ok, pourquoi pas. Donc, moi, je venais d'où? Je venais de... De là-bas. Regardez, il y a encore de l'argent. Je venais pas d'ici. Je venais de là-bas, je crois. Mais c'est ça. Et là aussi, au bout, de l'autre côté, il y a encore de l'argent. Il y a encore des caisses enregistreuses. Regardez, il y a de la thune partout. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant, cet endroit. Regardez, il y a encore des caisses enregistreuses là-bas. Regardez bien partout s'il n'y en a pas plus. Ok, il y a encore de la thune. Il y a les mecs qui dansent, qui chantent. Ils sont sérieux. Je crois qu'ils sont en train de faire une vidéo TikTok, c'est pas possible. MDR. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fouillé tout le bâtiment... Ça sert à rien d'aller à l'étage. Ah si, il y a une petite réserve aussi parfois. Je pense qu'elle est... Non, elle n'est pas ici. Il y a une petite réserve quelque part. Et parfois, il y a de l'argent dedans aussi. Donc voilà, c'est ici. Pas besoin de monter à l'étage. Yeah, les mecs. Ils ont fait le plein d'essence, maintenant ils se cassent. Ok, donc là, il n'y a pas eu d'argent. C'est pas grave. Maintenant, on va aller dans les bâtiments qui sont en face. Hop, on sort. Et là, il y a des bâtiments... avec des magasins. Et dans ces bâtiments-là, il y a encore des caisses enregistreuses qui vont vous donner de l'argent. Donc si vraiment vous voulez obtenir énormément d'argent, bah, vous venez loot tout ça ici. Hein. En solo, à plusieurs, peu importe. Regardez, 2 200 $ encore. Un gilet 3 plaques. J'en avais déjà un en fait. Là, on va dans l'autre bâtiment. Encore une caisse enregistreuse. 1 000 $. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Petite caisse. Réanimation. Là, on va aller encore dans ce bâtiment-là. Puis ensuite, on va aller à la pompe à essence. Et vous allez voir, je crois que je vais dépasser les 20 000 faciles. Ah, ici, ça a été loot, j'ai l'impression. Regardez, il y a de l'argent là. 200 $. Mais ça a été loot, hein, ici. Ok. Faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'il y a peut-être un ennemi. Alors là, c'est des maisons, il n'y a pas d'argent. Enfin, si, il y en a parfois, mais pas tout le temps. Donc là, on va dans la pompe à essence et après, on ira dans le bâtiment juste derrière, dans le truc là-bas. Et là, vous allez voir qu'il y a aussi de l'argent. Donc là, dans la pompe à essence, n'hésitez pas à fouiller les étagères parce que parfois, il y a de l'argent, même en haut, hein, la troisième...
Regardez là, il y a de l'argent. 600$. Et en plus, ça a été loot, je crois. Ouais, ça a été loot. Donc, ils ont pris l'argent de la caisse enregistreuse. Ils ont pas bien fouillé. Regardez, il y a encore 700$. 1700$. 2200$ qu'il y avait, qu'ils ont loupé. Donc voilà, fouillez bien, les mecs. Hein. S'il y a de l'argent, il y en a partout. Hein. Regardez, il y a encore 200$ ici. Donc là, on va juste sortir et on va aller dans le bâtiment de l'autre côté, ici. Et là, l'argent, elle se trouve en plein milieu du comptoir. S'il y en a, hein, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Ok, il n'y en a pas cette fois-ci. Il y en a dans la petite caisse, 800$. Donc là, on va sortir derrière. Et là, regardez dans ce bâtiment, juste ici, il y a encore une petite caisse enregistreuse. Voilà, 1000$. Et là, je pense que je vous ai montré tout l'argent que j'ai pu obtenir en une seule... En début de game, en fait, tout simplement en début de game. J'ai obtenu un total de... 24 000$. 24 700$, j'ai obtenu. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Avec ça, je peux m'acheter 5 armes au shop. Oh, calme. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!